Bonjour sur YouTube, comment allez-vous? Ça va super aujourd'hui. Doudou caméraman derrière la caméra, le gros y à côté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour ma plus belle impression 3D que j'ai faite depuis le début de l'année. Je sais, on n'est que le 20, mais attention, 46 heures d'impression. J'ai ma spatule, mesdames et messieurs, on va vous montrer ce qu'on a fait. Alors, avant de vous montrer ce qu'on a fait, vite fait, je vous montre un petit Kenny porte-clés que je vous présenterai très bientôt et vise sur la droite, là. Voilà, et là, vous voyez les Kenny d'avant. Donc ça, c'était un premier Kenny, ça, c'était un deuxième Kenny. Donc vous voyez, on est sur des trucs un petit peu dégueu. Non, vise pas sur le côté, c'est une surprise. Et du coup, là, ce que j'ai à vous montrer. Vous voyez ce Kenny, là, mesdames et messieurs? Eh ben, Peter a fait quelque chose d'assez sympa. Donc avant que j'oublie, merci à toi Peter, t'as géré. Mesdames et messieurs, ma plus grosse impression, c'est une figurine Kenny. Je vous la montre de suite. Du coup, mesdames et messieurs, aujourd'hui, présentation du Kenny ultime. Alors, on est sur un Kenny qui a mis 46 heures à s'imprimer. On est sur un truc de dingue. C'est Doudou Caméraman qui filme, je vous laisse... dire en commentaire s'il y a des conseils et des améliorations à donner pour le caméraman Doudou. Du coup, nous avons ici un gros Kenny de la moelle T. Vite fait, je vous montre ma main à côté. Il est gigantesque. L'impression vient de se terminer avec le gros. Je te laisse filmer l'écran. On est donc sur une impression de fou furieux. Attention, le micro est là. Le micro est là, voilà, parfait. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vous disais, on est donc sur une impression de fou furieux. L'impression a duré, comme vous pouvez le voir ici, 46 heures. C'est un Kenny XXL. Ça a été fait par Peter. Merci à toi, Peter. Ça fait ultra plaisir. J'ai bouffé énormément. Je te laisse filmer la bobine. Donc, voilà un petit peu l'état de la bobine. Pour information, de base, la bobine, honnêtement, elle était quasiment neuve, la bobine. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose qui avait été utilisé. Et là, on est sur un délire de fou furieux. Voici le Kenny. Donc, l'impression vient de se terminer. Tu peux mettre en pause. Bon, du coup, vite fait, je me répète parce que Doudou avait le doigt sur le micro, je crois. Donc, sans savoir, je vous répète. Du coup, je vous disais, ça a duré 46 heures. Tu sais quoi, tu sais qu'à refilmer l'écran, comme ça, on est bon. Du coup, mesdames et messieurs, ça a duré 46 heures. Et c'est donc un Kenny XXL des familles. 46h32 d'impression. C'est des heures. 46 heures, ça fait 46 heures que ça tourne en boucle, c'est infernal. Et la bobine, alors pourquoi on le refilme? Parce que je sais pas si Doudou avait le doigt sur le micro et du coup vous n'avez pas entendu mes bêtises. Donc voilà, ça a bouffé énormément de plastique. Comme vous pouvez le voir, il reste plus grand chose. Et du coup, la question c'est où est passé le plastique? Le plastique est passé ici. On est donc sur un Kenny qui a été augmenté de taille, puissance 30 milliards. AlphaWays U20, mesdames et messieurs. Le lien est en description. Ça vient de chez Gearbest et c'est clairement un gros délire. L'impression vient de se terminer, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Parfait, le plateau est en train de refroidir. Il est encore un petit peu tiède, mais ça va aller. Ça a été tenu, enfin ça a été collé avec de la laque, comme d'habitude, la laque des familles, et on a donc un beau petit Kenny. Quand madame l'a vu, elle m'a dit, ce serait bien que tu m'en imprimes un, mais celui-là, il est pour moi. Du coup, comme vous pouvez le voir, l'impression se passe comme ceci. On a dans un premier temps, alors on va faire ça tranquillement entre nous, vous savez quoi? Parce que d'habitude, vous voyez les impressions déjà faites, mais là, on est vraiment sur une impression de famille de type énorme. Alors attendez. Alors, de base... Hop, vous avez du coup un premier cadre. Alors, je vais essayer de vous le ressortir sans tout casser. Voilà. Donc de base, vous avez un premier cadre. Alors ça, c'est pas une base. C'est tout simplement les contours en un petit peu plus gros. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc ça, ça ne sert à rien. Je vous le mets là, vous le verrez mieux. Hop là. Donc maintenant... écoutez, au niveau de la bête, alors je n'ai pas les tailles exactes, l'AlphaWays U20 peut imprimer des grosses pièces. Là, on est sur une grosse pièce, je pense que vous vous rendez compte. C'est Java qui est derrière, que vous voyez tranquillement. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est la première fois que j'imprime une pièce aussi grosse, c'est que nous avons ici... Java, Zouzou, Java, le soleil, laisse la lumière. Voilà, donc je vous disais, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'au niveau de l'impression, on a eu, on le voit notamment ici, tu peux zoomer si tu peux,
Voilà, parfait. On a du coup ici, vous voyez donc, le doigt est ici. Enfin, la main de Kenny est ici, parce que c'est Kenny de South Park. Et toute la partie ici, on a du plastique. Pourquoi? Comment? C'est tout simplement du plastique qui a servi à solidifier la structure, mais qui dans les faits ne sert à rien du tout, étant donné qu'on va le virer. Donc écoutez, je vais essayer de le décoller, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc souhaitez-moi bonne chance, vous allez tout voir, et l'idée c'est essayer de le décoller tranquillement. Alors moi je mets de la laque, c'est ce que je vous conseille. Voilà, t'as qu'à te reculer un petit peu, ça sera un petit peu mieux je pense. Alors, la petite spatule, pour info, la spatule est fournie avec l'AlphaWays U20. Je sais pas si vous entendez la colle se décoller. C'est tout simplement... Voilà, bon, désolé pour la lumière, on a voulu faire sans flash à la main, à la bonne franquette. Et pour ceux qui se demandent, cette fois-ci, il est 2h39 du matin. Voilà, on est sur de bons horaires, hein. On est sur de bons horaires. T'as fait le focus? Vas-y, parfait. Donc du coup, hop là... Alors là maintenant l'idée c'est de pas du tout l'abîmer. Yes, parfait. Alors écoutez, ce que je vous propose, ça je le mets là, voilà, tu peux filmer le plateau. Sur le plateau, on distingue donc bien, vous le voyez là, c'est un peu tout crapé, je pense que c'est la laque qui fait ça. Moi ça me dérange absolument pas, et en plus ça ne dérange pas du tout la construction de maquette, donc c'est parfait. Donc 46 heures, hein, vraiment, je vous laisse imaginer le délire, vite fait, on peut leur filmer une dernière fois. 46 heures pour un Kenny XXL, ça n'a pas menti, on va la laisser se reposer, parce que je pense qu'elle a bien mérité, mais on est sur un truc de fou, voilà, je l'ai éteint, ça sera beaucoup mieux. Bon, on est un petit peu à l'étroit, il y a Java derrière nous, moi je suis à côté de Doudou et Doudou filme. Autant vous dire que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais pour la lumière, je pense que ça ira. Du coup, le Kenny se présente comme ceci. Voilà, tu peux te reculer si je suis trop près. Du coup, nous avons Kenny, et nous avons une sorte de structure. Alors, pour info, il est plein. Voilà, je tiens à vous le dire, il est plein. Au niveau de la pression, ça a été un truc de cinglé. Étant donné... Passe au micro. Étant donné, si jamais vous m'entendez pas, désolé, vous mettrez Doudou, s'il te plaît, le micro. Étant donné que, déjà, c'est la plus grosse pièce que j'imprime, et pour avoir vu, du coup, l'impression depuis 40 heures, si vous voulez, ça a vraiment fait des toutes petites alvéoles à l'intérieur. Donc, c'était un truc de cinglé. Alors, je sais pas trop comment il faut faire. Ah. Ok. Alors, déjà, il y a la base. On va pouvoir démonter. Alors, j'y vais doucement parce que si je le casse, bah, c'est fini, tout simplement. Voilà, donc là, on a la base. On a la base du Kenny, ici, et on distingue les pieds qui sont là. Prochaine fois, on prendra le micro-rod, ce sera plus simple pour filmer aussi. Donc, là, on a la base des pieds, et voilà en dessous comment ça se passe. Voilà, bon, vous avez entendu, Java. Donc là, on a les pieds du Kenny, d'accord. Et à côté, on a tout ce qui a servi à la construction. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le milieu 3D, mais en tout cas, on en a là. Ça, c'est ce qui est dans les mains. Juste, admirez-moi le détail au niveau des mains. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'était posé comme ça. Vous voyez le délire. Vraiment, la pièce est magnifique. Alors, après... Oh là là, c'est un truc de fou. Regardez! Ça, je voulais vraiment le filmer. Je ne pouvais pas... Je pouvais pas juste vous dire, hey, regardez, j'ai imprimé un Kenny. Je voulais vous le montrer. Ok, donc là. Waouh. Waouh. Pense à faire des ponts un peu plus lents, ouais. Comme ça, on se rend mieux compte de la taille. Voilà, bon, Doudou débute dans le caméraman. Donc, soyez pas étonnés si vous entendez ma voix derrière qui donne des petites consignes. C'est les conseils de professionnels. Du coup, devant, on est ultra lisse. Super focus. Voilà. Doudou est en train de passer un BEP caméraman S9. Donc voilà, si jamais vous avez des conseils de caméraman, n'hésitez pas. Parce que Doudou sera amené de plus en plus à filmer mes vidéos. Donc autant commencer directement par les professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites pièces. On a là, ok, la main. Alors moi, vraiment, ce qui est incroyable, c'est le... Enfin, c'est... Regardez!
J'enlève et boum, c'est lisse et tout. Hop. Hop, hop. Alors, le plastique que j'enlève ne sert à rien et est obligatoire, bien évidemment. T'es con, on va se relever. Je commence à être cassé, tu peux me mettre en pause. Du coup, voilà. Bon, on s'est mis sur une table. Ça sera beaucoup mieux. Donc, du coup, je vous disais, les chutes ressemblent à ceci. Alors, première fois que je vois ça, parce que là, on est vraiment sur une pièce de fou. Donc, on a une sorte de d'accordéon. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire toute la famille? Je pense. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées d'impression en commentaire, mesdames et messieurs, si jamais vous avez des idées ou des trucs qui peuvent être sympathiques. Le plastique est d'excellente qualité au niveau du PLA. C'est du PLA que j'ai acheté sur Amazon. Le lien sera en description. Et pour info, l'imprimante AlphaWise U20 est également disponible en description chez Gearbest. Le partenaire, n'hésitez pas à passer par lui. Vous recevrez la même que moi. Et à vous, les Kenny monstrueux. Alors, au niveau des détails. On est sur une base plate au niveau des pieds. Ouais, pense à faire le petit focus régulièrement. Au niveau des mains, on a bien la démarcation parce qu'il porte des, il porte des moufles tout simplement. Au niveau de la qualité d'impression, on est vachement bien, je trouve. Alors, c'est comme d'habitude, hein, si je veux la voir lisse, je peux très bien faire un petit effet derrière. Pour le moment, moi, je les laisse full comme elles sont. Il y a très peu d'imperfections. Je sais pas si vous le voyez. Il y a quelques imperfections, mais sinon on est sur quelque chose d'assez ouf. Et la pièce est... Voilà, la pièce est super lourde, vraiment, elle est pleine. Donc ça vous fait la blinde de plastique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a les détails au niveau de l'intérieur de la capuche. On a les yeux. Regardez un petit peu la qualité, c'est incroyable. Je suis bluffé, ça fait 46 heures que j'attends. Vous regardez cette vidéo en mode « Ouais, ah, c'est bon, t'as fait un Kenny, c'est magnifique. » Non, 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 les gars, c'est ma plus grosse pièce. Et dans le milieu de l'impression, il y en a qui galèrent à faire des pièces. Et là, le Kenny qui passe, ça fait plaisir. Donc, merci Peter, c'est cool. Et la respiration du monstre de Patagonie que vous entendez n'est autre que mon berger australien. Attendez. Attends. Du coup, parce que vous voyez pas, mais filme-le là, ce gros cochon. En fait, il y a un gros berger australien qui est à côté, qui est juste en mode, allez, c'est bon, on coupe et tout, on est parti, on s'en fout. Va dormir, toi. Va dormir dans ton canapé. Regardez comme il est beau. Il est beau, mon bébé. Bref, retour au cani. Parce que mon chien est jaloux de tout. Mais va jouer tout seul. Du coup. Le petit Kenny, au niveau du dessus, on est sur on est sur un puic-puic de qualité, bien évidemment. Bon, c'est filmé en famille, hein. C'est comme d'habitude, le chien est pas loin. Donc du coup, voilà, donc on est sur un produit de fou. Ça rend ultra bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Moi, ce que j'aimerais bien, pourquoi pas, c'est faire les autres sur la même taille. Ça pourrait être assez cool. Pour information, j'ai du fil qui brille dans la nuit à vous tester dans pas longtemps. Donc, ça va être aussi très sympa. J'ai imprimé un logo que vous reconnaîtrez peut-être qui ressemble à ça. Je vous dis pas ce que c'est la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne au niveau de l'impression 3D. Allez la voir si ça vous intéresse. Enfin bref, on cesse là-dessus. Ma plus grosse impression, mesdames et messieurs, en vidéo, je suis ultra fier et ultra content du résultat. Le Kenny est magnifique, je m'attendais pas du tout à ça. Et waouh, vraiment waouh. Alors il aurait été mieux en orange, mais fallait faire un petit test. Au moins je sais déjà que mon modèle 3D, mon G-code est bon. Le fichier 3D. Et du coup, je sais que je peux maintenant claquer autant que j'en veux. Si je veux, j'en fais 200 demain. Je me fais une armée de Kenny. C'est un délire. Très impressionné aussi par ça. Première fois que je vois ça sur une pièce 3D que j'imprime. Au niveau de la structure, un petit peu en accordéon, c'est très impressionnant. Bref, on cesse là-dessus. J'espère que mon Kenny vous plaît et que peut-être ça vous a motivé à passer le cap. Tous les liens sont en description, les fils que j'ai utilisés ainsi que l'imprimante. Et pour information, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, car on a un Discord où on discute, on partage ensemble des fichiers. Donc je vous invite à nous rejoindre. C'était un super. Bisous, tout le monde est avec Doudou et Java. Fin de tournage. Bisous.